Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous savez, j'ai passé 4 jours à Londres, plus précisément 3, parce que bon, le premier jour, il comptait pas. Donc j'ai commencé par faire une mise en beauté avant d'aller à Londres. J'ai fait mes ongles, donc j'avais opté d'abord pour une French, sauf qu'après j'ai complètement pété les plombs et je les ai retirés pour faire une French pointue et neutre, sauf que j'ai pas filmé. Donc j'ai quand même mis la partie où j'avais fait ma French. Encore poussé, vous voyez là, j'allais faire mon lissage au karité parce que je vais me faire poser mes tapes demain. Fatiguée de coller, décoller, c'est bon. Là, j'ai besoin d'un truc où je suis tranquille. J'ai pas dit que j'arrêtais les perruques, je vais doser les perruques. Mes cheveux sont magnifiques. Mon rendez-vous il est à 16h, il est 14h49. Je vais mettre mon foulard. Je vais aller acheter un petit cadeau pour ma coiffeuse parce qu'elle avait un bébé. Oh, mais il fait froid. Laissez-moi mettre mon manteau. God. Il fait froid. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que je vais être en retard. Je sais pas pourquoi, je le sens. De toute façon, je regarde l'itinéraire, je vois la circulation. Regardez ce que j'ai acheté. Oh, c'est grave mignon. Regardez, c'est trop mignon. Et j'ai pris des petits chaussons comme ça. Trop mignon. Donc là, je vais aller me faire poser mes tapes. Je suis trop contente. Là, mes cheveux ressemblent à rien. De toute façon, on s'en fiche parce qu'on va mettre des tapes in. Like. Je suis trop contente. Franchement, je suis grave contente d'essayer. Je viens de chez Wig by OC. Donc, de toute façon, je vais vous mettre l'Instagram et tout. Je vais vous montrer la qualité. Heureusement que mon rendez-vous n'est pas loin de chez moi. Je suis trop contente. Enfin, des prestataires qui n'habitent pas à 100 000 km de chez moi. Hein. Voilà la qualité des tapes. Oh my god, j'ai hâte. J'aime bien mon make-up aujourd'hui. De mes tapes, franchement j'aime trop. Tu te réveilles, t'es déjà coiffée. Genre c'est ça que je voulais. C'est vraiment ça que je voulais, me réveiller et être coiffée. I would like to get to know. Kinghead Hotel, donc situé à Acton. Donc en fait c'est un hôtel que j'ai déjà fréquenté, donc je le connais. Et pour celles qui me suivent depuis longtemps, j'avais fait un premier vlog sur Londres et j'étais déjà venue dans cet hôtel que j'avais kiffé. Sauf que bon, il y a des petits trucs qui m'ont un petit peu saoulée. Il y avait beaucoup de choses qui fonctionnaient pas cette fois-ci, genre l'ascenseur, la télé, on pouvait plus mettre internet dedans parce que y a des gens qui avaient fait n'importe quoi. La télé dans la baignoire, elle fonctionnait pas parce que l'électricité, l'électricien, il n'était pas passé, pardon. Mais ça reste un très bon hôtel. Il y a tout en bas, épicerie, enfin tout ce dont vous avez besoin, donc c'est cool. Comme vous avez pu le voir, je passe un week-end à Londres, donc je fais 4 jours ici. Donc bon, 4 jours, techniquement 3. Aujourd'hui, comme je suis arrivée un peu tard, je vais pas faire grand chose. Là, je me suis préparée et je vais aller manger. Je vais ranger mes affaires et tout.
Et voilà, ça va juste ça la soirée. Et en vrai, le vlog il va commencer genre demain. Regardez, j'ai fait mes extensions de cils toutes seules. Regardez. Regardez comment c'est beau. C'est beau, hein? Je sais. On est au McDo. Non, donc du coup. Mais Dinella va prendre ça, 1000 undercalories. Mais pas du tout en fait. Pas du tout. Tu vas boire de l'eau? Non, oui, par contre, ouais, je vais bien boire de l'eau, oui. Mais mets les burgers là. Tu veux le McChicken? Ah, McChicken. Quoi? C'est le vrai prix ça? Sure. Yes. How much? C'est pas cher, hein? C'est pas cher, wesh. Take it. Medium or large? Large. Large? Yes. Oh, baby, you're large. Large? Right. Non, mais, non, mais il est où le iced tea? We don't have iced tea here, baby. Non, 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 non. Cherche. Sorry, I'm sorry. Oh, je suis choquée. Vas-y, bah, mets Oasis. Oasis. Il est bon, le Oasis. Yes. Oh my god. Attends, mais regardez les prix, wesh. C'est une blague, on va se péter les billes. C'est ça, non? Non. Si. Tu dois pas aux vegan. Du coup, j'ai pris un McChicken, bah, comme en France. Hein. Il a la même tête. Non, à voir si c'est si c'est bon. Et ils vendent des tenders ici. Ça. Et les frites elles sont un peu pareilles. Un peu pareilles. Prenez jamais de Oasis rose comme ça là. On dirait des médicaments, je comprends pas trop. C'est vraiment pas bon. Du gâchis parce que là je vais pas boire, il en reste grave. C'est même pas bon. C'est un coup si tu manges trop, ça va être. Non, non, non. C'est déjà prêt, wesh. Le McDo était même pas bon. Estime même pas bon. McChicken, pas pareil que la France. Je comprends pas. Oasis, on dirait des médicaments, enfin bref. Franchement, c'est pas cher, mais c'est pas bon. Du coup, bref. Ce que je vais faire, c'est que je vais prédéfinir un programme pour les 3 jours. Une journée shopping et 2 jours de visite. De visite et de choses à faire. Qu'est-ce que tu viens faire encore? Là, c'est quoi déjà le Bluetooth? E60... 198, je sais plus, 78, je sais plus. C'est E1798 ou yes, yes, yes. Non, j'entends seulement. T'auras des problèmes avec moi. Vraiment, je me trouve tellement moche. Genre, j'ai fait les tapes, j'ai fait les cils et tout, mais je me trouve moche. Genre, vous voyez pas que mon make-up il sort pas comme d'habitude. Like, ça se voit qu'il y a un problème. Regardez mes cheveux, faut que je lave. Là je vais essayer de programmer les 3 journées. De faire une journée total shopping. Donc il faut que j'achète mes trucs de cheveux, il faut que j'achète du maquillage, des vêtements, maybe. Acheter une nouvelle valise parce que ma valise c'est un mess total. Et les 2 autres jours ça va vraiment être visite, activité et tout. Essayer de faire le plus de choses possible. C'est faisable. Je pense que c'est possible avec une bonne organisation. Donc voilà, je vais essayer de faire ça et j'espère que demain sera la journée shopping. Pas se réveiller trop tard, que j'ai le temps d'aller dans un centre commercial. Moi je vais aller me reposer, bien dormir parce que j'en ai besoin. Et voilà. Let's go. Là j'attends le bus alors que quand c'est en France je déteste prendre le bus. Mais là en fait vu que les bus ils sont stylés, ben il arrive tout le temps. Ah bon, 3 minutes. C'est combien de temps? 3 minutes. Bah si. Non. Bah si. Bah non. Mais si. Non. Mais si. Vas-y, route, route, route. Là, wesh. On n'a pas vu.
T'as 16 minutes. Hein. Mais franchement, tu t'affiches. En plus, j'ai filmé. Bref. C'est normal que tu me connais ici. Alors, personne ne me connaît, donc du coup, j'ai pas du mal à filmer. Mais si c'est en France. En France, j'arrive pas à filmer dans la rue. C'est trop honte en fait. Alors là, je suis dans le bus. Et j'ai voulu faire la meuf là-bas qu'il faut pas. J'ai payé avec ma carte et après j'ai reçu. Donc personne ne sait que j'ai payé le bus. Du coup, je trouve ça très bizarre. Et je paye plus le bus. Voilà. Merci le métro et tout, mais du coup, je vais payer. C'est sûr. Là, je viens de traverser la route, je suis en train de chercher le passage piéton. Il n'y a pas de passage piéton, c'est dangereux. Sur les commentaires, ils vont me dire, mais si, le passage piéton, c'est ça, ça ressemble à... Là, on va d'abord manger, c'est ça. On va manger et après, on va acheter des trucs. Enfin, je vais, je sais pas si je vais acheter des trucs. Big, 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 big. Welcome to Resplendente. Je suis à Malmö et je suis en train de chercher mon menu. Je prends du poulet avec des frites. Là, elle, elle a fait ça comme d'hab. Mais quoi, comme d'hab? Pourquoi tu mens? Comme d'habitude, elle va se péter le bide. La honte. La honte. Hello. Sorry. What? Elle a dit quoi? Elle arrive avec moi. Et moi? I'm waiting for my what? Now we should speak English until we finish to eat. Okay? Okay? Okay. So he waiting for his meal. Yes? Too much, you are too much. Oh my days, you can say oh my god. You have the robot. What? The robot. Robot, what is robot? For eat. Ah, fourchette. Say that in English. Bubble. Robot. Yes, robot. No, I don't have it. I'm gonna hit with my hand. So yeah, you're from Nigeria. That's why the song is for you. You are racist. The song is for... Voilà, j'ai pris ça. J'ai pris du riz, du poulet et des frites. Là, c'est pita, frites et riz. Voilà. C'est bon, j'ai fini de manger, faire du shopping. Je vais à Zara d'abord parce que je trouve un sac. Il est à Zara en fait. C'est où qu'on descend? Je vais à ce Zara, regardez comment il est grand. Le centre commercial il est archi grand. Là mon ventre il est super gros parce que j'ai mangé. Abusé, la honte. Je veux une chaussure sous sac mais il n'y a plus un jean, je crois. Mais pourquoi tu fais ça tout le temps en accord avec toi? Tu m'as dit, je dis ce que je pense. Est-ce que ton avis est important? Non mais il est bien. Sac de pas faire du sport. Tu sais, tu fais des squats comme ça, tu mets devant. C'est pas drôle, hein. C'est 25 pounds. 15. C'est un petit haut comme ça, mais c'est 5. C'est pas chez une, non? Quoi? C'est pas chez une, ça. C'est pareil.
Pareil que Chine. C'est pareil sauf qu'écrit ici, écrit là-bas. Ah ouais? Ah oui. C'est quoi cette petite porte là? Moi j'ai filmé les... Je te vlog. Oui, la star, même connue à London. Oui, la star. Il y a une dame, elle a dit, oh, I love your lipstick. Elle a dit, c'est quoi la couleur? Elle a dit, ah, non. B et M. J'ai pas dit ça comme ça. Oui, elle a dit, après, on lui a dit. Moi, je lui ai dit. Je lui ai dit qu'en mode, ça vient de chez BM, mais c'est en France en fait. Comment on dit ça? Comment on dit ça? I said my lip line from BM, but it's in France. Mm-hmm. And she said BM. Elle a fait quoi? She said BM. C'est grave à la mode de cette. Justement, c'est ça le problème, faut que j'arrête de prendre les trucs à la mode. Voilà. Elle a dit, j'aime trop suivre la mode. Voilà. Et tu dois être là. Mode. Voilà. Du coup, je ne crois pas. Voilà, tu vois, même ta mère, elle a répondu. Elle pense comme moi. Oui, ben c'est effrayant. To the left, to the left. Non, to the left, please. Ah, left, right. Oh, mmh. Oh my god. Ouais. Yes sir. Hey mate, so also you can't record, yeah? I'm just a filmer. I know, I understand that, but you can't record within Westbrook. If you want, you could talk to guest service. And then all you need is a visitor's pass. And then you can record wherever you want. Okay. So, on doit filmer vite avant que ça nous coupe. Parle vite. Regardez, il y avait. Non mais sérieux. Du coup, je vais chercher ma taille. C'est pour ça que je voulais de bonnes. Pourquoi je vais bien regarder? Tu veux bien regarder? Ouais. Non, je peux plus faire. Je montre à mes abonnés, ils vont crier. Oh my days. Always recording, 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 recording. Oh my days. C'est pas grave, t'as pas fait exprès. Arrête. T'as pas fait exprès, mais t'as pas fait exprès de voler. T'as tué à Londres, tu voles. Quoi? Tu viens à Londres pour voler. Au moins t'en as deux. Hein? Ça arrive. De voler. Ça arrive de voler. Oui. Oui en plus. Voleuse. Attends, je zoome. Zoom. Donc là on était à Oxford. Si vous voulez, Oxford en fait c'est un peu le Champs-Élysées de Londres en fait. Voilà. Mmh.
voilà ce que tu n'as avec mon téléphone. On est à Oxford, c'est un petit débarqué. On a sorti à tout le monde. Mais ça va partir en fait, je coupe. Que je découpe. Faut que je découpe, j'arrive pas à tirer. Bah, tu vas te couper, hein. Yes. Donc là j'étais à Superdrug, donc là c'est vraiment où j'ai trouvé mon bonheur, où j'ai pu acheter la marque Elf et tout. Et là-bas vous allez vraiment kiffer parce qu'il y a grave des marques de make-up drugstore, il y a plein de fossiles, plein d'accessoires et tout que vous allez grave kiffer, donc n'hésitez pas à y aller. J'ai acheté une nouvelle valise, du coup je vais ranger mes affaires, je vais vous montrer parce que c'est n'importe quoi là-bas. Donc voilà la valise que j'ai achetée, donc j'ai dû en acheter une parce que bah regardez la valise, enfin c'est même pas une valise, le sac que j'avais acheté en fait il était pas assez grand et comme j'ai acheté des affaires, j'ai dû acheter une valise après moi, en plus elle est super bien, donc trop bien. Là c'est bon, je suis prête, donc je me suis habillée comme ça, j'ai acheté ce sac ici à Zara, je le trouve archi beau, il est vraiment trop beau, trop cute. Bon je l'ai déjà sali, il faut que je le nettoie. Voilà, petit pull comme ça. Et voilà. Je vais à Covent Garden. Tu as descendu déjà? Tottenham Covo. Oh là là. Descends ici. Franchement, hey, ici mes tapes, elles ne coupent pas du tout. Ma coupe, elle est trop moche. Hein? Je vais sortir ma caméra. Ouais, ça doit être ça. En fait, ce métro là il est grave propre. C'est pas tous comme ça. Hein. Si c'est propre, I like it. I like it so much. So now we're going to Covent Garden. We're gonna eat Shake Shack. Shake Shack is a fast food, you know. We're gonna eat. What did you say? J'ai perdu. Non! 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 On n'est pas perdu! T'as toujours pas de réseau? Je crois que c'était là-bas. Ah là 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 là, this is not easy. Puis on a qu'à demander aux gens. Hein. Hey, where is it to go to Covent Garden, please? I don't want to sociability with people. I'm afraid. Thank you. My bro, over the legs, red. Red. Are you sure? School is back or red? Are you sure? So. Oh. On va atterrir à Birmingham, tu vois. I don't think it's the red one. Putain, y a pas de réseau. Oh wow, c'est beau ici. C'est à la corde. Non mais moi je suis belle, genre je suis bien, regarde. C'est là-bas. Oui. Baby, what you wanna do? I'm ready to pull up on you. I'm ready to do what I do. There is a lot of people here. We are new. You just be cautious about it. I love you right before I run.
ça soit... Il y a un truc. Comment il fait? C'est pas qui va appeler là-bas. Non, je parle pas à toi. Voilà, voilà, comme ça. Cupcake, parce que j'ai une grosse envie de cupcake et j'ai trouvé ça sur Google. En plus, on a croisé des Français qui viennent d'y aller. Apparemment, c'est grave bon. Du coup, let's go. Parce que je suis toujours à Covent Garden. Ouais. Parce que le temps il passe tellement vite que j'ai pas eu le temps de faire une bonne visite. Du coup, j'espère que demain je pourrai faire plus de choses que ça. Parce que là, voilà. Hein. J'ai pris à la vanille, du coup je vais goûter. Lola, Lola, Lola. Oh, c'est fini. Fini. On n'achète plus. Ah, c'est pas gentil. Non, non, non. Putain, c'est pas comme la France. Ah, oh, je suis déçue. Et tu veux goûter? Non. Ouais. Ah, je suis choquée. Je suis grave choquée. Ah non, non. Oh, je suis déçue. Tu vois pourquoi je mets que du news? Il n'y a que ça qui me va. Tu vois? Il n'y a que le nul. C'est rouge. Non? Ouais, hein, si je leur montre tout déjà, c'est pas la peine. Hein. Sorry. Hey, it's okay. On filme tout. Ah, la honte. J'ai réussi à me faire un up and down. Je suis trop contente alors que j'étais en galérie hier. Aujourd'hui j'ai réussi. Mes tailles. Oh, j'ai réussi à me coiffer. I'm so happy. Par dessus. C'est déjà. Ok. C'est ce que j'ai gagné. Attends, j'ai pas de ciseaux. Ok. I don't want nobody to be my daddy. Like, but it's not my day. I want to
T'as pris la lumière? T'as pris la lampe externe? Mmh. Le chargeur? Mmh. Ça, c'est que j'ai. Elle veut faire des activités, elle n'est pas motivée. Non mais c'est juste qu'il faut manger en fait avant. Donne. Wow, London. On se met là, on fait un petit pique-nique hein. C'est nul. On se met ici, on fait un petit pique-nique. Regarde, il y a des petits trucs ici. C'est le pique-nique, ça veut dire comment il fait froid. Voilà. C'est ça le Buckingham Palace. Maintenant là c'est quoi maintenant? Non mais dis-moi. Mais dis-moi, c'est ça? Regardez. Regardez, waouh! Waouh! Buckingham Palace! Ça, non, pas si! Regarde, waouh! Trop beau! C'est la nature! Bah ouais, c'est magnifique le Buckingham Palace! Hein. Bah, j'aime bien! Ouais, c'est bien! Viens, on va faire des photos là-bas! C'est nul! Regarde! Waouh! Il y a ça à Paris? Non, mais. C'est tellement. La Bastille. Ouais, si on dirait le château de Versailles ici! Ah. Et y a... On a la même chose à Paris, mais bon. Ouais, c'était bien, refait. Oh, excuse me, yes. Non, non. Oh, wow. C'est trop beau. Ah mais par où on passe? Oh merde. C'est trop beau. I like it so much. Les chefs ils sont en train de nous virer. Ah mais c'est trop beau. Mais là c'est une photo, c'est une vidéo hein. Oui d'accord, c'est pas grave. Regardez comment c'est beau. Donc là en fait il est attends, okay, là. 17h12. Ouh, la caméra. Il est 17h12 et je voulais aller à Peckham. Peckham parce que c'est un quartier où il y a plein de trucs exotiques et tout. Et je voulais acheter des produits pour les cheveux. En fait j'avais zappé, je devais faire ça ce matin ou hier. J'ai pas fait. Et là du coup vu que ça ferme tôt des trucs, je me demande si c'est encore ouvert. Mes chéris, on arrive à la fin de ce vlog. Franchement, j'espère que ça vous a plu. Après, je suis un peu déçue. J'ai pas pu faire tout ce que je voulais faire. J'ai pas fait le London Eye. J'ai pas fait le bateau. Il y a plein de trucs que j'ai pas pu faire parce que franchement, ça passe trop vite. Et après, c'est vrai qu'on voulait pas se réveiller trop tôt non plus. Donc, bon, c'est pas grave, j'ai quand même bien profité. Londres, c'est vraiment à faire. Après, voilà. Maintenant, j'irai vraiment que pour le shopping. Mais franchement, c'est quelque chose à faire. Et j'aime bien la vibe et tout. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez laisser des commentaires. On se retrouve très prochainement pour le prochain vlog. Je fais de gros bisous. Mouah!